Tout d'abord les amis, avant que la vidéo ne commence, je voulais vous dire que pour ceux qui souhaitent participer aux lives qui ont lieu tous les jeudis, un live pack opening où j'ouvre mes packs mais aussi les vôtres, si vous souhaitez participer, c'est simple, il faut tout d'abord que vous soyez abonné à ma chaîne bien sûr et me suivre sur Insta, FootForFun13, vous m'envoyez un DM et avant mercredi, si vous passez dans le live, je vous contacterai sur Insta. Je vous laisse avec la vidéo. Salut salut les amis, c'est FootForFun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, défi création d'équipe, DCE live et je le cherche, les grosses affiches pour récupérer un pack joueur Electrum rare, un pack joueur Electrum prime, un pack Jumbo premium or, un petit pack prime joueur Electrum et un pack Jumbo or. Et franchement les amis, bon, j'ai un peu utilisé des joueurs bronze et argent, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous donner le concept. Honnêtement, il y a moyen de le faire pour pas cher. Je vais vous montrer tout ça. On va commencer par le premier, Hoffenheim contre Stuttgart. Pour ce DCE-là, il fallait un joueur de Bundesliga. Donc, je l'ai pris, il est là. 700, un joueur or rare. À 81 des générales, au moins on est tranquille pour la note. 3 joueurs de même championnat minimum, 5 joueurs de même pays maximum, 3 joueurs rares minimum, une note générale à 74, un collectif à 75. Les amis, la note, pardon, elle est bien à 74, le collectif il est à 82, on est large. Donc les amis, le délire, c'est vous faites un championnat mexicain. Vous prenez pas forcément les mêmes que moi, attention, pas besoin. Vous voyez, ça passe, enfin, il y a un peu tout qui passe, hein, comme vous avez pu le voir. En gros, vous mettez votre joueur à 81 ici. En fait, en gros, vous vous mettez à 700, or rare, championnat Bundesliga, vous prenez la plus grosse note. Après, vous en prenez deux autres dans le championnat mexicain, et puis après, vous comblez les trous. Vous savez que les défenseurs centraux, or, c'est ce qui coûte le plus cher, donc vous mettez des bronzes ou des argent, c'est vous qui voyez. Et après, vous comblez, vous voyez. Donc en gros, ce DCE-là, les amis, franchement, les 3 joueurs rares, ils sont à 700, donc ça vous coûte 2100. 400 pour les non rares, il y en a 4, ça fait 2007. Et puis 800 pour les 4 joueurs à 200, ça fait 2007, ça fait 3500. 3500 crédits pour le premier. Allez, c'est parti, on commence avec Camilo Vargas, Jorge Sanchez, Miguel Tapias, Nicolas Diaz, Wout Weghorst, Eduardo Del Angel, Hector Holguín, Renato Ibarra, Brian Lozano, Leonardo Fernandez et on termine avec Jonathan Rodriguez. Donc moins de 4000 crédits pour ce DCE là pour récupérer un petit pack Prime joueur Electrum. On ouvrira tout ça à la fin, vous le savez, vous connaissez maintenant. On continue avec le deuxième DCE, c'est Rennes-Bordeaux. Pour ce DCE-là, il fallait deux joueurs de Ligue 1. Ils sont là, le gardien et le MDC. 5 clubs minimum, 1 joueur rare minimum, 5 joueurs or minimum, une note générale à 74, un collectif à 75. Comme vous pouvez le voir, je suis à 76, j'ai aucun joueur paquet. Donc le délire, là c'est pareil, je me suis peut-être fait un peu chier parce que j'ai voulu faire... pas cher, mais en gros, voilà, vous mettez un gardien de Ligue 1, vous mettez un MDC de Ligue 1, vous avez vos deux joueurs de Ligue 1. Tout le reste, vous le faites de même championnat, il suffit juste qu'il y en ait un rare, et on est bon. Vous mettez le nombre de joueurs or qu'il faut, vous comblez avec des bronzes et des argent, et on est bon. Franchement, les amis, ce DCE-là, il coûte moins cher que le premier. Bien sûr... vous savez, ça va augmenter, etc., etc. Donc faites-le avec un autre championnat. La Turquie, il y a quoi que je pense qui est pas cher. La Turquie, vous pouvez. L'Argentine, vous pouvez aussi. Vous pouvez le refaire avec le Mexique aussi, comme j'ai fait pour la première vidéo, vu qu'il faut qu'un rare. On est pas mal. Je sais pas moi. Après, vous pouvez faire ça. République Tchèque, ça passe aussi. Enfin voilà, c'est que des petits trucs. Vous pouvez prendre les mêmes que les miens, mais j'ai peur que les joueurs argent danois coûtent un peu plus cher à force. Mais franchement, comme vous pouvez le voir, je mets un gardien
et un AG en défense centrale. Donc c'est que au niveau du collectif, il y a moyen de faire autre chose. C'est vraiment vous qui voyez, les amis. Allez, on commence avec Alexandre Oukidja, Boubakari Soumaré, Carl Johan Johnson, Lucas Andersen, Zeka, Rasmus Folk, Tobias Klissner, Pion Sisto, Anders Dreyer, Lasse Vib, et on termine avec Ronnie Schwartz. Franchement les amis, 3500, 4000 crédits, grand max également pour ce DCE là. On récupère un pack Jumbo Or et on passe au troisième défi. Leeds United contre Arsenal. Celui-là, je me suis fait un peu chier. Mais franchement, ça vaut le coup, c'est pas très cher. Il fallait un joueur de Leeds ou d'Arsenal. Donc là, vous prenez qui vous voulez du moment où vous le mettez au bon poste. Donc moi, je vous conseille de prendre le DD de là. Après, vous voyez, c'est vous qui voyez. Il fallait 3 nationalités minimum, 4 joueurs d'un même championnat maximum, un joueur rare, une note générale à 75, un collectif à 80. J'ai pas de joueurs paquets comme vous pouvez le voir, donc vous serez à 80 vous aussi. La note elle est à 76, après c'est vous qui voyez. Le délire, voilà, j'ai fait qu'avec des Marocains. Donc, quasiment que des Marocains. Les amis, si jamais les deux défenseurs centraux là, ici, sont trop chers, vous prenez le gardien. Peu importe qui, mais en gros, il faut que vos deux défenseurs soient de la même nationalité que votre gardien et du même championnat. Comme ça, au moins, là, vous aurez des liens rouges, mais là, au moins, vous aurez 3 traits verts et ça vous fera le collectif. Je vous dis une connerie, vous prenez un gardien espagnol avec 2 défenseurs centraux espagnols, vous aurez le collectif. Vous faites ça avec un Danois, enfin, avec des Danois, avec des Croates, avec ce que vous voulez, vous aurez le collectif. Voilà, juste ces 3-là à changer si vraiment c'est trop cher. Je dis bien si vraiment c'est trop cher. Bien sûr, les défenseurs centraux, c'est les joueurs les plus chers. C'est pour ça que j'ai utilisé un seul or, tout le reste en argent. Voire bronze, hein. C'est juste que j'en ai pas trouvé, je crois, des Marocains bronze. Ils sont argent minimum. Allez, on commence avec Yacine Bounou, Cédric, Abdelhamid El Kaoutari, Saad Agouzoul, Zouer Fedal, Sofiane Boufal, Petros, Younes Belanda, Faisal Fajr, Abderrazak Amdallah, et on termine avec Youssef El Arabi. Franchement les amis, 5000 crédits pour ce DCO là, 5005 si vraiment c'est un peu galère. Après, vous voyez, il y a. Comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de faire les 3 là. Là, vous pouvez changer. Vous pouvez mettre soit du même club, soit de la même nationalité. Et ça va passer crème. On soumet l'équipe. Et on va passer au dernier. Là, on récupère notre pack Jumbo Premium Or. Et on passe au dernier Athletic Club Betis de Séville. Donc, ce DCE là, franchement, il est assez simple. Là aussi. Il fallait un joueur de Bilbao ou du Real Betis. J'ai pris Cordoba, c'était le moins cher. Il était à 750, si mes souvenirs sont bons. 850, pardon. 2 joueurs de Liga Santander. Eh ben, tant qu'à faire, on va pas se faire chier. On a acheté un ailier gauche, on va acheter un DG. Pas payé trop cher non plus. Ah, c'est vrai, j'ai un premier Santander et je l'ai acheté en doublon. Je crois que c'est du 700 crédits ou 600 crédits. Et après tout le reste, même championnat. Pas forcément du même club. On a un collectif à 87, on a un joueur avec la fidélité, donc vous serez à 86. Voilà, vous mettez les joueurs au bon poste. Sachez que les postes les plus chers, ce sont les défenseurs centraux en or. Bien entendu, ça vous commencez à le savoir. Et voilà, 3 joueurs d'un même club maximum, donc faites attention à ça. Et après, c'est bon, 2 joueurs rares, une note générale à 77, on est à 78, donc vous voyez, on est tranquille. On commence avec Alessio Cragnon, Danilo D'Ambrosio, Kan Eyan, Stéphane Radu, Nacho, Domenico Berardi, Stanislav
Lobotka, Gaston Ramirez, Inigo Cordoba, Leonardo Pavoletti, et on termine avec Nikola Kalinic. Franchement, ce DCE là m'a coûté 6000 crédits. Donc vous vous rendez compte, 4000 le premier, 4000 le deuxième, 5000 le troisième et 6000 le quatrième. Franchement, on est à 19000 et encore j'ai vraiment arrondi parce qu'il y a peut-être des DCE que vous avez payé peut-être un peu moins cher et il y a des DCE que vous avez payé peut-être un peu plus cher. Donc franchement, allez, 20000 crédits pour les 4, c'est le bout du monde. Allez, on va aller ouvrir tout ça maintenant. On va commencer par le petit pack Prime, joueur Electrum, on s'en fout de ça. Je sais que je vais avoir de la merde, c'est pas... Déjà d'une, c'est pas mon compte, donc je m'en fous complet. Et de deux, on verra bien. Ça gueule un peu par contre. Bon, là on a Castiles. On arrive à choper un... une petite anime, enfin une petite anime, ouais. Ça va au bout dans un pack de merde. Mais bon, c'est pas grave. C'est vendable, donc ça se prend. Allez, on continue le pack Jumbo Or. On ouvrira le Premium après. Pack Jumbo Or, pas de grosse anime, pas de petite anime. Ouf, et pas de rare. Comme ça, au moins, ça, c'est fait. Ça te calme. On s'en fout, on verra si on n'a pas un petit chasseur ou un petit ombre. Même pas. Allez, on envoie tout au club. Et on passe au pack Jumbo Premium Or. Les amis, le pack Jumbo, ça va donner de la merde également, mais ça va au bout. Donc pourquoi pas, italien, gardien, Sirigu. Lourd. Lourd, on se rembourse hein, petit à petit, pas de souci, mais pour l'instant, on est loin des 20000. On est loin des 20000. Qu'est-ce qu'on a derrière? Catalyseur, moteur, ouais. Bon, ok. Allez, on dégage. Il nous en reste plus que deux, les deux plus intéressants, forcément. Pack joueur Electrum Prime. Ça va au bout. Joueur de l'équipe de la semaine, je crois. Hongrois. Gardien. Ah non, ouais, ça va, c'est pas un joueur de l'équipe de la semaine. Mais c'est Gulaksi, 85. C'est pareil, ça se prend. Voilà, ça se prend. Les prix vont augmenter avec les SBC icônes, donc. On est plutôt pas mal, on vendra tout ça au moment voulu. Allez, le dernier, pack joueur Electrum rare. Grosse anime ou pas, franchement, moi je vois même pas une anime. Donc pour l'instant, ah, il y a une petite anime. Il y a une petite anime malgré tout. Croate, MDC, c'est Brozovic de l'Inter. Voilà, il n'y a rien de fifou à se mettre sous la dent. Ça fait des crédits, on est quasiment remboursé, je pense, à quelque chose près. Parce que les joueurs... Les MDC coûtent un peu maintenant. Ouais, 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 ça va. Les joueurs à 84 coûtent un peu. Donc ça se prend. Ça se prend. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que vous allez choper mieux que moi. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Le live à 21h. J'ai une heure pour le faire sur mon compte, ça devrait le faire. Je vais utiliser les joueurs que j'ai dans mon club. Et puis on se retrouve, on aura en tout, je pense, avec... on va ouvrir des comptes, les packs sur 3 comptes. Et je pense qu'on peut s'en tirer pour 80 packs ce soir. Donc voilà, c'est pas mal. C'est un bon petit pack opening avec les habitués. Venez tous. Et enfin voilà, on passe de super moments ensemble. Donc c'est avec plaisir que je vous retrouve là-bas. Ciao les amis, prenez bien soin de vous, à très vite. Merci, ciao.